ce sont des biens que tu partages avec eux. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as pris ne t'appartient pas. Vous êtes en alliance avec eux. Donc tout le mal que vous faites, le diable envoie des anges de mal spécialisés dans ce domaine-là. Et ensemble, vous volez. Ensemble, vous faites des orgies. Ensemble, vous convoitez. Ensemble, vous êtes dans les désirs du sexe. Ensemble, vous êtes dans la haine, dans le mal, dans la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, ces anges du diable et le diable lui-même sont participants aux alliances que tu fais. Quand tu as volé, le bien que tu as volé ne t'appartient pas. Il appartient à toi, le voleur, et aux anges du diable qui t'ont accompagné. Voilà pourquoi les biens obtenus dans le mal ne durent pas et ne produisent pas de plaisir. Ils sont destructeurs. La tricherie n'apporte pas le plaisir. L'infidélité n'apporte pas le plaisir. Quand je parle d'infidélité, vous devez faire la différence. L'infidélité ne signifie pas nécessairement le sexe. Lorsque Dieu parle d'infidélité, il y a le serviteur infidèle. La Bible dit que l'infidélité signifie l'insoumission, la désobéissance, le non-respect de lois de l'Éternel, des lois d'un ménage établies par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Faites cette différence et cette nuance, s'il vous plaît. C'est pour cela que vous verrez, même lorsqu'il y a un pillage, vous trouverez une personne de ma masse qui prend un congélateur de 500 litres chargé des biens sur son dos. Il peut partir de Bandal, de la ville, jusqu'à Bandal. S'il vous plaît, quelle énergie! Ça a souvent étonné les gens à chaque fois qu'on a eu des pillages dans cette ville. Vous êtes sûr qu'il l'a fait seul? Mais s'il a cette énergie, comment est-ce que le lendemain, juste pour pousser le congélateur, que ça laisse un espace à la porte, il en est incapable? Posez-vous la question. Il ne l'a pas fait seul. Le plaisir que tu as à l'extérieur, que tu sembles découvrir, tu crois que cet homme est un dieu, c'est un feu au lit. Bien-aimé, je vous réveille. Personne n'échappe au témoignage de sa conscience. Réveillez-vous au nom de l'Éternel. C'est par Jésus-Christ que je m'adresse à chacun de nous. S'il vous plaît, éloignez-vous de ces choses, car elles conduisent à la mort. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Lorsque vous voulez en faire un usage, vous verrez que le diable va vous enfoncer dans le désir sexuel avec cette personne parce que vous avez l'impression que vous avez rencontré Dieu. Au point d'oublier votre maison, au point d'oublier vos enfants, au point d'oublier l'essentiel. Et même votre vie de prière va baisser. Pourquoi? Parce que les cris et le bruit, le plaisir que vous sentez, vous avez l'impression que vous avez atteint la gloire. Les choses que vous avez volées, vous croyez qu'elles vous ont donné du plaisir. Parce que vous avez volé peut-être pour acheter une voiture. Mais c'est quoi une voiture? Vous avez volé pour acheter une maison qui demain vous sera arrachée parce que vous avez mal acheté. Les biens du mal ne produisent que le mal. Les biens de la grâce ne produisent que la faveur de l'Éternel. Choisissez ce que vous avez à faire. C'est l'Éternel qui parle. Dans ces choses-là, quand vous marchez, vous êtes en alliance avec le diable. Et c'est dangereux pour la foi. C'est dangereux pour l'Église. Ces choses sont entrées dans l'Église. Les gens ont mis les désirs de la chair au-dessus des désirs de l'Esprit. Le message de l'Évangile n'atteint plus les cœurs. Or, la Bible déclare, lorsque Jean a entendu parler du Seigneur, il a vu le Seigneur, il a baptisé le Seigneur. La colombe qui avait quitté l'arche de Noé avec la feuille d'olivier est descendue sur le Fils de l'homme. Et le ciel a ouvert sa bouche pour dire, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Même Jean-Baptiste ne savait pas que la quantité d'eau qu'il prenait dans sa main avait le pouvoir d'ouvrir la porte du ciel et la bouche du ciel pour qu'elle s'adresse. Moi, je dis à quelqu'un ce matin, le ciel peut encore parler en ta faveur. Mais le message que j'ai amené aujourd'hui, c'est pourquoi laisses-tu le diable porter ton manteau et t'accuser dans la présence du Seigneur? Lorsque le désir de la chair prend prédominance, le diable vous encourage dans ces choses. Il vous accompagne, il envoie ses anges, vous augmentez le plaisir. Ces choses-là vous éloignent de la face du Seigneur. Le diable prend plaisir parce qu'il est patient. Il vous emmène jusqu'à ce qu'il vous mettra loin de la face du Seigneur. Quand vous serez isolé parce que vous n'avez pas obéi à la loi de Dieu, vous êtes dépouillé de la protection que vous aviez, parce que vous n'avez pas écouté Dieu, mais vous avez écouté le diable. À ce moment-là, ce n'est pas le diable qui vous frappe, bien-aimé. Faites une nuance et méditons, prions bien. Ce n'est pas le diable qui nous frappe, c'est Dieu qui nous frappe. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand le diable a réussi à vous convaincre du mal, vous en réjouir et vous éloigner de la face du Seigneur, il est sûr que vous êtes loin de la face de Dieu. Le diable vous fait porter le manteau du mal
qui lui représente. Et il porte votre manteau, qui est le manteau de la vérité, le manteau de la repentance, le manteau du pardon. Couvert de ce manteau, lorsqu'il monte vers les seigneurs, le diable ne va pas mentir, parce qu'avec les mensonges, aucune porte du ciel ne lui sera ouverte. Le diable porte la vérité et il arrive devant l'Éternel, devant ses anges. Il humilie ton Dieu en lui disant, mais voilà ton serviteur en qui tu as mis toute ta confiance. Voilà ton racheté en qui tu as cru. Regarde dans quoi il est. Et lorsque la colère de Dieu arrive, Dieu te frappe. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'avait pas vu. Dieu t'a vu, mais Dieu attend de toi la repentance, car la Bible déclare, pour tout celui qui tombe dans le péché, s'il se relève, il est digne du royaume. Pas si on le relève, si il se relève, c'est-à-dire c'est ta part. Et la Bible va plus loin, il dit, celui qui s'humilie et revient de ses mauvaises voies, se repent de son péché, à l'instant, moi l'Éternel son Dieu, je suis justement pour pardonner son péché et n'en garder aucun souvenir. Alors bien aimé, Dieu est capable de pardonner. Quitte cette alliance avec le diable. Parce que s'il t'isole, c'est Dieu qui te frappera. Vous avez pris la nature de dire, le diable a frappé, le diable a fait. Non, le diable est malin et rusé. Le diable te met dans une condition où Dieu va te frapper. Celui qui frappe, c'est l'Éternel parce que tu as péché. Alors bien aimé, quittons le péché. Revenons au premier amour. Revenons à l'Éternel Dieu qui a besoin de nous. Revenons à l'Éternel qui a donné Jésus-Christ en sacrifice à la croix pour notre salut. Aujourd'hui, si Dieu n'est plus appelé le Dieu d'Israël, mais le Dieu des nations, si le Dieu d'Abraham est appelé le Dieu de Cyril, est appelé le Dieu de Pamela, est appelé le Dieu de Lydia, est appelé le Dieu de Joe, le Dieu de Christian, le Dieu de Doudou, d'Olivier, de Serge et de Mamie, Dieu, le Dieu de mes enfants, le Dieu de ma postérité, le Dieu des générations, c'est à cause du sacrifice de la croix. C'est à cause du sang qui a coulé de Gethsémané à la croix. Alors bien-aimés, réveillez-vous, revenez au premier amour. Retirez votre manteau que vous avez donné au diable pour qu'il n'ait pas accès dans la présence de Dieu. Si à un être humain, il est autant difficile d'accéder au ciel comme faire passer une vache par le trou d'une aiguille, bien-aimés, préservez ce que Dieu vous a donné. Dieu nous a donné son esprit. Et son esprit a des missions en nous, nous enseigner, nous justifier, nous consoler et nous faire marcher dans la crainte de l'Éternel. Alors devant quelque situation que ce soit, ne te justifie pas. Et remarque bien, chaque fois que tu essaies de te justifier, tu perds la raison, parce que c'est la mission du Saint-Esprit. On n'aide pas Dieu. Laisse le Saint-Esprit te justifier, laisse le Saint-Esprit t'enseigner, laisse le Saint-Esprit te consoler et laisse le Saint-Esprit te faire marcher dans la crainte de l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Tel est le message que j'ai ce matin. Celui qui l'a compris, qu'il bénisse l'Éternel. Car il est écrit, le jour où tu entends le message de l'Éternel, ne dis pas que ce n'est pas ton jour, parce que ce n'est pas toi qui décides si c'est ton jour ou pas. Ce que tu as à faire, fais-le avec force, car c'est ton jour aujourd'hui. Que Dieu bénisse son peuple et qu'il vous accorde sa miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. South Africa, people say, ma quoi tu as fait pour la vie anglais, la table montée, nous avons ici caca mort. Tu as dit amour, white cloud, canvas. Ils ont un cap down, ta mouille, la mouille montée. Le coup la bande de Bazali, awa, au bandeau bas anglais, il y a malade, il y a qui tombe. Soyez awa.
vous serez jamais déçu. Explique. Campus is the best in Cape Town. Hello everybody, hello ladies and gentlemen, my name is Divine. I learn English at White Cloud Campus. I never seen before a best and beautiful school like this since I've been in South Africa. If you want to learn, speak and write good American English, don't waste your time. Welcome to our school. You will find good students, nice teachability or methodology. And you know what? We love so much and thanks a lot our teacher Benon, the best in South Africa. Thanks a million. Hello everyone. My name is Cynthia. I have finished my English within 6 months. And now I have a good speaker being here. If you wanna be like me, come and join us at the White Cloud Campus. And we love our American teacher, Mr. Bellon. Hello, Cape Town. Why are you still speaking Bubu English? Come downtown at the White Cloud Campus. We have terrific teacher and you speak American English. Cheers. Hello, gentlemen. Hello. You know what? What do you mean? Tell me that. What for? Today is a third day at White Cloud Campus. Wow, may I go with you? Yes, let's push up. What's your name? My name is Bob. How do you spell it? B-O-B. Hello, Cape Town. Let me tell you something very interesting. The White Cloud Campus is a very nice place to be. Thank you. Take it easy. Hello, everybody. May I tell you something? You know, at the White Cloud Campus, we are the best and the origin in American English. Come and discover a nice teacher. So long! Hello, pessoal de Cape Town. White Cloud Campus é uma escola profissional onde eu estudei o inglês durante 6 meses e falo fluentemente. Convido a todos aqueles de expressão portuguesa e aqueles que não sabem falar o inglês que venham e encontrarão bons profissionais. Obrigado. Hello, Cape Town. Today we are excited to finish our English class at the White Cloud Campus. You know, the best school in Cape Town. No time to fool around. Come and join us. We will find good students, nice English, good speakability, and don't get a limbo. Yomu Totunaka, eske toko zwa peba certificat, kasi graduation pe yangoyo.